J'avance à la cabine et là j'entends les deux, trois premiers coups de feu. Je me dis, ben là faut y aller quoi. Faut y aller même si on doit aller mourir, mais il faut l'arrêter. C'est les armements qui ont été tirés par cet avion. Donc on voit qu'il a tiré un missile Scalp et qu'il a tiré 5 bombes guidées laser. Un seul passage suffit. Un passage, une bombe et un bâtiment détruit. Tout a explosé. Il y avait le bureau de Daesh et la maison de mon frère. Il ne reste plus rien. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de complément d'enquête antiterrorisme, des héros et des secrets. Cette pièce que vous voyez derrière moi, ce sont les yeux et les oreilles de l'armée française. Elle est quelque part en région parisienne, à la direction du renseignement militaire. C'est là que l'on décide des frappes aériennes en Syrie et en Irak. On va s'y rendre, mais on ira aussi de l'autre côté, en Irak justement, pour mesurer les conséquences de ces bombardements. Ce soir, nous parlons de la France qui se protège, de ceux qui travaillent dans l'ombre et qui peuvent parfois se révéler des héros. Nous sommes retournés à Nice, 6 mois après l'attentat de la promenade des Anglais. Nous avons retrouvé les policiers qui ont stoppé et tué le terroriste et qui racontent pour la première fois. Pour parler de tout cela, nous sommes venus ici à La Belle Équipe. C'est le restaurant symbole de l'attaque des terrasses le 13 novembre 2015. 20 personnes avaient été tuées ici. Dans les fauteuils rouges, on verra où en est l'enquête sur ces attentats de la promenade des Anglais. Et puis on recevra le patron de la direction du renseignement militaire, le général Gomard, un militaire qui ne parle que très rarement. Mais tout de suite, Nice, face à face avec l'horreur, c'est une enquête de Romain Boutilly, Mathieu Fourou, Olivier Gardette et Vincent Gobert. C'était le symbole de la ville, un lieu mythique. C'est désormais une scène de crime. À Nice, nombreux sont ceux qui évitent ces 2 kilomètres de la promenade des Anglais. Les policiers du 14 juillet, eux, doivent l'emprunter tous les jours. À chaque patrouille, des flashs de l'attentat. Je me rappelle ce qui a été fait, je me rappelle les corps, je sais que ce qui s'est passé, c'est réel. Et je ne pourrai jamais l'effacer de ma mémoire. Il y a les morts et puis il y a ceux qui restent derrière, les blessés, les familles. Ce soir du 14 juillet, ils étaient au cœur du chaos, d'une scène de guerre qui a fait 86 morts. Encore sous le choc, 3 d'entre eux ont accepté de nous raconter cette nuit d'horreur. Christophe, un agent municipal, le premier à avoir donné l'alerte. François, le policier qui a lancé l'assaut. Et Magali, qui a coursé le terroriste, arme à la main. 3 policiers ordinaires, face à la folie meurtrière d'un terroriste. Ce 14 juillet, comme dans beaucoup de villes de France, l'armée défile dans les rues de Nice, aux côtés des policiers. Il fait beau, des milliers de curieux viennent applaudir les forces de l'ordre. Parmi eux, une vedette de la télévision tunisienne en reportage, Moez Zaraï. Il y a aussi un touriste égyptien, Nader. Ce sont leurs images que vous voyez. Ils filmeront tout de cette journée tragique. Dès le matin, tout indiquait que ça allait être une journée fantastique. La police était partout, elle s'occupait de tout.
to take care of everything. On a assisté au défilé des militaires et des policiers et des gendarmeries. Donc on était assurés. Personnellement, je n'ai pas remarqué un sens de panique ou quelque chose de mauvais qui va se passer. Hein. L'euro, qui a mobilisé toutes les forces de l'ordre à Nice, s'est terminé 4 jours plus tôt, sur un sans-faute. Les policiers sont fatigués mais soulagés. Aucune menace sur la ville, des Niçois décontractés. Pour eux, la soirée s'annonce sans histoire. Il y avait vraiment un climat festif, voilà, une sorte de relâchement chez les gens. Après l'euro, ben, voilà, l'euro est passé, il n'y a rien eu. Les gens sont contents et viennent participer à cet événement majeur qui est quand même la fête nationale. Donc on part à 20h30, on part sur le secteur centre-ville. Et on se met à disposition par radio. On reste sur vigilance et on continue, malgré la fatigue et malgré ce qu'on a vécu pour l'euro, à rester avec un cran de plus. Ça fait 10 ans que je suis dans la police, ça fait à peu près 10 ans que je fais ce genre de mission pour ces événements-là. On nous dit de tenir un point à l'angle de deux rues, contrôler des personnes, s'il y a des personnes suspectes, et faire des petites patrouilles en fait au milieu des piétons. On fait une sécurisation comme d'habitude quoi. Une heure avant le début du feu d'artifice, des milliers de familles investissent la plage pour avoir la meilleure place et profiter du spectacle. Il y avait énormément de familles, beaucoup d'étrangers, beaucoup de vacanciers. Moi, j'avais jamais vu autant de monde sur la prom un soir pour une fête. On voit les gens avec la famille, les petits enfants, toute une famille ensemble. Ils sont vraiment ravis de ce moment. Pour l'occasion, une portion de la promenade des Anglais est rendue piétonne. Vers 21h, le gros de la foule doit se concentrer sur la zone prom party, où sont organisés 4 concerts de musique. C'est là que le risque d'attentat est considéré comme le plus élevé et que seront positionnés une grande partie des policiers. Nous avons tous priorisé, pas exclusivement, mais priorisé, l'hypothèse du tueur de masse, pour parler court, c'est-à-dire d'un individu ou des individus armés qui entreraient dans la foule pour tirer ou bien pour se faire exploser. Nous l'avons priorisé pourquoi ? Parce que c'est ce qui était arrivé récemment. Nous l'avons priorisé aussi parce que nous avons été formés et équipés de façon très, très forte pour faire face à ce type d'attaque. Pour empêcher l'intrusion d'un véhicule dans la zone piétonne, le dispositif prévoit des barrières métalliques et des plots en plastique. Des barrages tenus par 2 policiers nationaux, relevés à 20h30 par des agents municipaux, comme ici le carrefour Gambetta, l'un des points d'accès stratégiques à la zone sécurisée. Quand le feu d'artifice démarre, 30 000 personnes sont massées sur la plage. Dix minutes plus tard, le terroriste rejoint la promenade avec son 19 tonnes. Il contourne tout le dispositif sécurisé par l'ouest de la ville. À cet instant, il est filmé par l'une des 1500 caméras de surveillance de Nice. Au centre de supervision urbaine, ce soir-là, la responsable Sandra Bertin et ses 10 opérateurs de permanence. Au moment où le 19 tonnes s'engage sur la promenade, ils pensent tous avoir affaire à un camion de livraison. Sa conduite est normale. Il est loin quand même, très loin. C'est-à-dire ? Il est à 1 km, me semble-t-il, au moment du point d'entrée. À 1 km d'effet. C'est-à-dire qu'il y a X établissements, X plages, X hôtels qui va pouvoir livrer sur ce périmètre. Là, on a toujours une zone ouverte à la circulation. Et on a ce camion qui circule tout à fait normalement. Il n'y a pas d'embardé, il y a pas... voilà, normalement. Quelques minutes après la fin du feu d'artifice, le camion emprunte la voie ouverte aux voitures sur 400 mètres. Puis,
monte sur le trottoir et fait ses premières victimes, sans être repéré, jusqu'à ce qu'une équipe de la police municipale l'aperçoive, alors qu'elle intervient par hasard sur une bagarre. C'est à ce moment-là que notre attention est attirée par un bruit énorme. Et ce bruit, c'est un bruit qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Là, on avait l'impression que c'était un train qui arrivait. On avait un bruit qui était constant et sourd. Il y avait du bruit métallique, il y avait des cris. Donc de suite, on tourne la tête et j'aperçois donc ce camion qui fonce à très grande vitesse dans la foule. Et immédiatement, je prends ma radio et j'annonce la présence d'un camion fou et risque d'attentat. Christophe donne l'alerte, donc dans la demi-seconde, le camion est à la caméra. Ça aurait pu être n'importe quoi, quelqu'un qui aurait fait un malaise. Bon, malheureusement, ça arrive et le camion n'est plus maîtrisable. Ça aurait pu être quelqu'un qui n'avait plus de frein. Enfin voilà, des hypothèses, il aurait pu en avoir, mais là, non. On voit que c'est quelqu'un qui maîtrise son camion, quelqu'un qui n'a pas eu de malaise et quelqu'un qui tend clairement à écraser un maximum de personnes. On n'a pas le temps d'être atterré. Je demande à mes collègues de rentrer dans le véhicule. Je ne peux pas circuler sur la chaussée sud. Donc je monte sur le trottoir et en fait j'arrive dans la tracée macabre du camion. C'est le seul moyen que j'ai d'avancer, c'est ça. Et là il y avait tellement d'effets de masse de blessés que le seul désir qu'on avait c'est d'arrêter ce camion. Le camion roule à près de 90 km/h. Aucun obstacle n'empêche le terroriste de progresser vers la zone piétonne. Sur le trottoir, il évite le barrage Gambetta par la gauche. Les deux policiers municipaux, tout juste alertés par radio, n'auront pas le temps de réagir. Le camion arrivait tellement vite qu'ils n'ont pas pu se positionner à temps face au camion. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est tenter quelque chose de côté. Et malheureusement, de côté, tirer, ce n'était pas possible. On ne pouvait pas viser les pneus, puisque de toute façon, on n'aurait pas arrêté. Avec la perspective de la caméra, on voit exactement où le camion va aller, on voit qu'est-ce qui est visé, on voit les coups de volant qui sont donnés, et on ne peut pas prévenir ces gens. Ces gens qui, je précise, ne le voient pas parce qu'il a pris la peine d'éteindre ses phares, parce qu'il y a du bruit, ils ne le voient pas, ils ne l'entendent pas et on n'a aucun moyen de les prévenir. Je suis juste au niveau de Gambetta. Je suis pile poil au niveau de Gambetta et tout le monde reste figé en fait. Il n'y a personne qui court à ce moment-là, il y a tout le monde qui est stupéfait par ce qu'il voit et on reste tous à regarder le camion passer. Arrêter le camion passé et après on se met à courir et tout le monde va se mettre à l'abri. Mais 300 mètres plus loin, c'est le cœur des festivités. Les badauds sont remontés de la plage, s'arrêtent devant les scènes de concert. Ils ne vont pas s'apercevoir qu'un camion fonce à pleine vitesse sur la foule. Je suis en train de regarder la musique. Et j'ai rien entendu, ni des cris des gens, ni le bruit du camion. Et d'un coup, j'entendais des voix qui m'ont dit « Donne-moi les mains, madame, tu vas te percuter. » Ils m'ont tiré aux dernières minutes où j'ai reçu un coup sur la tête du camion. Il est passé juste, je ne sais pas comment. Et je regardais comme ça, et il y avait le camion devant, il y avait tout le monde par terre. Donc là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose, soit un accident, je n'ai pas pensé au terrorisme, j'ai pensé à un accident. Ce soir-là, j'étais avec mon mari, ma belle-mère, son compagnon, ma belle-sœur et ses enfants. Les 17.
On était 7. Voilà. On est rentré 3. Vivant. J'ai perdu le 4. Un peu plus haut, une équipe de la police nationale vient d'être alertée. On voit des gens qui crient, qui lèvent les bras. Donc, on ne sait pas ce qui se passe, en fait. Donc, avec mes collègues, on part en courant à l'inverse de ce mouvement de foule. Et 2 secondes plus tard, en fait, on voit un gros camion blanc qui arrive sur, qui redescend la promenade des Anglais. Et on voit un scooter, en fait, qui rentre. Enfin, c'est un peu flou encore comme image, mais qui rentre dans le camion ou le camion qui rentre dans le scooter, on ne sait pas trop. Franck, un père de famille, tente courageusement de freiner le camion à l'aide de son scooter. Magali et ses 2 collègues sont les premiers policiers à intervenir et à tirer sur le terroriste. Quand on arrive à la cabine, on avait l'arme à la main. Et en fait, le conducteur, il prend une arme et en fait, il nous tire dessus, quoi. Moi, c'est la première fois de ma vie que je me prenais un canon à 2-3 mètres de ma tête. J'ai encore cette image du canon. Je repars en courant derrière le camion avec mes 2 collègues. Et donc c'est là qu'on commence à voir le massacre, quoi. Nous, on court derrière le camion et il y a des gens qui... Il y a des corps. En fait, je le vois comme un film, comme si je regardais un film. J'ai pas l'impression que c'est réel et voir... On se dit c'est qu'on réalise qu'en fait devant nous il y a un attentat. Donc là on court et plus que tout on veut que ça s'arrête. De la Tunisie. En contrebas, sur la plage, l'équipe de télévision tunisienne est en pleine interview. Et j'ai toujours eu un cœur et un souvenir extraordinaire. Ah, il y a un mouvement de foule. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu dans les yeux des gens la panique et la peur. Les gens couraient, donc ils s'échappent de la mort. Ils s'échappent de la mort. Ils savent même pas qu'est-ce qu'il y a exactement, s'il y a quelqu'un qui va leur croiser d'autres terroristes. Un peu plus loin, sur la promenade, l'équipe du major François se précipite à son tour vers le camion qui remonte dans leur direction. C'était pas le cas avant. Quand on entend les messages successifs qui sont pour certains hurlés, ma première pensée c'est un camion c'est qui rentre dans le dispositif, c'est pas un 19 tonnes, c'est un trafic, c'est un master. C'est voilà, c'est un camion, pour moi c'est ça le camion. On part en courant immédiatement. Là je vois surgir le camion. Et effectivement, j'ai une vision apocalyptique d'un 19 tonnes, donc c'est énorme, ça paraît énorme, qui arrive, qui roule pas très très vite, mais qui fait des soubresauts. Les miens sont placés en colonne d'assaut. Moi, j'avance à la cabine et là, j'entends les 2-3 premiers coups de feu, je me dis, ben là, faut y aller, quoi. Faut y aller, même si on doit aller mourir, mais il faut l'arrêter. Donc moi, je m'avance à la cabine et je tire à plusieurs reprises par la fenêtre passager. Après, je me recule, j'entends encore des coups de feu et... Et je vois la tête de ce terroriste là qui était sur le côté inerte, sur le côté passager. Il est 22h38. La course folle du terroriste aura duré 4 minutes et 17 secondes. On éprouve
une sensation d'avoir déjà fait le plus important, le plus important, d'avoir stoppé ce terrorisme. On a abattu, on est content de l'avoir abattu. Voilà, j'ai pas honte de le dire. C'est un carnage, c'est déjà un carnage, mais si on l'arrête pas là, on aurait peut-être 400, 500 personnes, 600 personnes de décédés. Un soulagement de courte durée. Dans la tête de chaque policier, la crainte que ce ne soit qu'un début. On se positionne de suite avec nos armes sur l'arrière du camion en pensant que ces portes vont s'ouvrir et que peut-être un ou deux individus va sortir armés ou de l'explosif. Là, par contre, on a la conscience et on est pratiquement persuadé qu'on va y passer. À ce moment-là, je réalise que quelque chose de plus grave encore pouvait se produire. Comme une bombe dans le camion, les policiers criaient « Dégagez, prenez vos enfants et courez, continuez de courir sur la plage. » L'obsession des policiers en première ligne, éloigner tous les survivants et les témoins au-delà d'un rayon de 100 mètres. On a vécu un moment où il a fallu gérer un danger, gérer un périmètre et être à l'affût de tout le monde. C'est-à-dire que même les gens, au début, on n'était même pas sûr qu'il était seul dans le camion. Donc on ne savait pas s'il y avait quelqu'un qui était dehors. Et jusqu'à la fin, jusqu'au déminage, on ne savait pas ce qu'il y avait dans la benne du camion. Donc on s'attendait à ce qu'il sorte quelqu'un. Donc autour, on s'est dit, s'il y en a un qui arrive avec une ceinture d'explo, qui arrive et qui se met au milieu, on y est. Donc on regardait tout le monde. Les policiers sont d'autant plus nerveux que pendant quelques minutes, des rumeurs circulent par téléphone et sur les réseaux sociaux. Prise d'otage dans un restaurant, des fusillades à plusieurs endroits dans la ville. Puis, une fois les menaces levées, vient la découverte de l'étendue de la scène de crime. On se dit qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Donc on retourne à l'arrière du camion, sur le chemin du camion. Moi, je me dis, je peux peut-être aider, je peux peut-être porter secours à des gens, je ne sais pas. Et en fait, on arrive au milieu d'un... Je suis derrière le camion, on arrive au milieu de l'horreur. On se rend compte qu'en fait, il n'y a plus rien à faire. Pour ma part, il y a un... Je regarde autour de moi, je vois que des gens morts. Mais un monsieur qui gémit, j'essaie de lui parler, mais il se passe rien. Je suis complètement perdue, quoi. Je sais pas quoi faire. Ce qui était pire, c'est qu'on avait encore des membres des familles qui étaient sur place, à gérer. Une personne âgée qui était à côté de nous... On lui demande de s'écarter, il nous dit « Ne vous inquiétez pas, j'aide les secours, je reste avec ma femme. » Et tout à coup, on voit ce monsieur qui s'assoit par terre, qui s'allonge sur le côté et qui tient une main qui dépasse du drap. Donc là, on comprend qu'en fait, sa femme, c'est la personne qui est sous le drap. Donc on va pour le relever et il me dit « Monsieur, je suis venu avec, je reste avec elle. Je ne suis pas une menace, je ne vous dérange pas. » Et là, de suite, on a dans notre action de police où on gère ce qu'on a devant, on a un fait qui va nous mettre un coup de bambou, qui va nous dire, voilà,
La vraie vie, c'est ça, et tu es confronté à ça. 2 heures après l'attaque, à mesure que les secours interviennent, les policiers qui ont fait face aux terroristes se mettent en retrait. Ils soufflent et observent la scène. Le brigadier de la police municipale, Christophe, voit certains de ces hommes flancher. Ils ont tout donné, ils ont été au maximum de l'action. Et relâchement, et là on a commencé à voir des collègues qui se tenaient la tête, qui avaient des larmes aux yeux, quelqu'un qui se met accroupi et qui se tient la tête. Bon, c'est quelqu'un qui commence à apercevoir qu'il a vécu l'horreur et que... Et puis que ce qui l'entoure, ce qui est toujours autour de lui, c'est une scène abominable. Aux côtés des familles et des rescapés, de nombreux policiers sont alors pris en charge par les cellules psychologiques d'urgence. Un camion a fauché 86 personnes et fait 200 blessés. Le pays est ébranlé, les autorités déstabilisées. En plein milieu de la nuit, le ministre de l'Intérieur est dépêché sur place. Aux côtés d'un Christian Estrosi sonné, Bernard Cazeneuve vient rendre hommage aux policiers nationaux et municipaux. Si les policiers n'avaient pas été là ce soir, on n'aurait pas pu procéder à la neutralisation très rapide de ce terroriste. Mais l'Union nationale ne va durer que quelques heures. Comment est-il possible ? Dès le lendemain, Christian Estrosi lance l'offensive médiatique et critique vivement le dispositif mis en place par l'État. On ne m'a toujours pas donné le nombre exact de policiers nationaux qui étaient mis au service de cet événement. L'élu niçois accuse, l'État se défend. Chacun qui a pris connaissance des conditions de l'intervention de la police nationale pourra constater qu'elle était présente et très présente sur la promenade des Anglais. La polémique s'éternise et vire à la bataille de chiffres avec une question. L'État avait-il prévu suffisamment d'agents pour sécuriser le 14 juillet ? Pour autant. Pour clore le débat, Bernard Cazeneuve demandera en urgence un rapport à l'IGPN, la police des polices. Rien n'avait été faux. Conclusion, le dispositif n'était pas sous-dimensionné en l'absence de menaces précises d'attentats sur la ville de Nice. C'est pas ça du tout, la réalité. Je n'ai pas estimé, parce que je suis parfaitement conscient de cette pression et de ces sollicitations qui pèsent sur l'emploi des forces mobiles, je n'ai pas considéré qu'il y avait lieu d'insister particulièrement au-delà de la réponse qui nous était faite. Et j'en assume la responsabilité. Le 14 juillet s'inscrit dans une série de festivités, d'événements à sécuriser. Il y avait l'Euro 2016 avant, mais il y avait le Nice Jazz Festival qui devait arriver quelques jours après. Il y avait le concert de Rihanna, qui pour nous était un événement très important. Il n'était pas question de rassembler le maximum d'effectifs sur le 14 juillet pour ensuite ne plus pouvoir utiliser les moyens disponibles sur les autres événements qui nécessitaient aussi une sécurité. 64 policiers nationaux ont été déployés à Nice ce soir-là. 2 mois plus tard, Christian Estrosi maintient ses attaques sur les effectifs, trop légers selon lui. D'autant plus qu'il n'aurait dénombré que 39 policiers nationaux sur les images de vidéosurveillance. Nous savons parfaitement par l'analyse des images, et où le décompte est assez facile, qu'il n'y a pas 64 policiers et 20 militaires. Il y a 0 militaire et un nombre de policiers dont le nombre est bien inférieur. Quant à la policière municipale Sandra Bertin, elle maintient elle aussi des accusations qu'elle avait portées au lendemain des attentats. Ce commandant-là ne cessait de me dire qu'il fallait modifier, à tel point qu'au bout d'un moment il s'est énervé. Selon elle, 2 commissaires de police se seraient présentés comme envoyés par le cabinet du ministre et l'auraient poussé à modifier un rapport. L'objectif, il lui aurait fait écrire qu'à l'entrée de la zone piétonne, le barrage était tenu par la police nationale, alors que les images montrent qu'il s'agit de la police municipale. On me demande de mentir sur un rapport
Et entendons-nous bien, on ne parle pas d'un rapport du petit pickpocket de la veille, on parle d'un rapport, la vidéo protection du CSU de Nice qui a filmé un attentat, qui a fait des dizaines de morts, des centaines de blessés. Et on me demande de mentir sur un fait aussi grave. C'est juste inadmissible. La policière municipale de Nice... Sur ce point, Bernard Cazeneuve a toujours démenti et a porté plainte en diffamation contre Sandra Bertin. La justice établira la vérité que pour ma part je connais. 6 mois après l'attentat, la plainte de Sandra Bertin pour abus d'autorité a été classée sans suite. Mais la sécurisation du 14 juillet fait toujours l'objet d'une enquête judiciaire. Cette polémique, les policiers en première ligne ce soir-là l'ont vécu comme une injustice, comme si leur travail était remis en question. Nous sommes tous consternés par ce qui s'est passé. Lorsque vous avez des policiers qui sécurisent de manière tout à fait adaptée, lorsque le travail en amont a été fait par la police nationale, mais aussi par la municipalité qui était dans la préparation de cette sécurité. Et lorsqu'on vient, à travers la polémique, remettre en cause le service d'ordre, c'est dur. Une ville toujours traumatisée et une police déboussolée. Au point que certains policiers ont demandé leur mutation. 6 mois après, Magali a repris le travail. Elle a été décorée de la Légion d'honneur. On a arrêté, comme on a pu et le plus vite possible, cet attentat, mais c'est plus fort que nous, on pense aux victimes. Et pour moi, je ne peux pas faire autrement que penser à tous ces gens qui sont morts ou tous les gens blessés. Moi, tout ce que j'ai vécu ce soir-là, où je me suis sentie impuissante, ben, j'ai toujours ces images en tête et j'arrive pas à les oublier. Et voilà pour cette enquête signée Romain Boutilly et Mathieu Fourou. Et on se retrouve ici dans un des lieux symboles des attentats qui frappent la France depuis 2 ans maintenant, au même titre que la promenade des Anglais. On est sur la terrasse de la Belle Équipe, un des restaurants frappés par les terroristes du 13 novembre. C'est ici qu'il y avait eu le plus de victimes, une 20aine de morts, dont la moitié des employés du restaurant. Depuis, on a reconstruit cette fresque qui, avec 3 coquelicots qui discrètement rappelle le nom des 20 victimes. Et on se retrouve avec vous, Éric Pelletier. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous rejoindre. Vous signez avec Christophe Dubois Où sont passés nos espions, petits et grands secrets du renseignement militaire. C'est une enquête sur les enquêtes de l'antiterroriste. On va en parler. Mais d'abord, un mot sur ce qu'on vient de voir ensemble, ces attentats de Nice. Est-ce que, comme moi, vous avez été frappé par le courage de ces policiers anonymes qui ont bloqué le terroriste? Oui, c'est très émouvant parce qu'on voit qu'ils sont à la fois dans leur processus professionnel qu'ils ont codifié et en face, ils n'ont jamais imaginé une telle scène et ils seront marqués à jamais, ils l'expriment avec leurs mots parce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont ressenti ce soir-là. Alors, l'enquête sur Nice, elle en est où? Le principal terroriste, bien sûr, a été abattu, on vient de le voir. Depuis, il y a eu un certain nombre d'interpellations. On a du mal à comprendre si c'était vraiment des complices, des proches, uniquement des gens qui lui ont vendu une arme. Oui, on en est à une demi-douzaine d'interpellations, un peu plus maintenant. On est plutôt dans une logistique, hein, c'est-à-dire d'une fourniture d'armes. La justice appelle ça fourniture de moyens. Pour autant, la grande interrogation, c'est de savoir s'il y a un lien direct avec l'État islamique, avec Daesh en Syrie. A priori, on n'a pas trouvé ce lien. On est sur un profil qui est très particulier, un profil qui rappelle un peu ce que les policiers nomment les dossiers camisole, c'est-à-dire des dossiers qui sont à la frontière entre, bien sûr, le terrorisme et puis aussi peut-être la psychiatrie. Vous dites dans le livre, il y a les fous de Dieu et puis il y a les fous tout court. Le terroriste de Nice, il est quelque part entre les deux. Probablement. Il va falloir attendre que l'enquête progresse sur ce point, mais ce qu'on connaît de sa personnalité laisse à penser qu'on est sur une personnalité borderline et qui représente à peu près 20% des profils qui apparaissent dans les dossiers terroristes français. Alors l'enquête a permis de démontrer que peut-être il y avait un deuxième projet d'attentat le 15 août suivant, donc l'attentat du 14 juillet. Le 15 août, il y aurait eu un autre projet ou alors il aurait hésité entre les deux dates?
Il y a des échanges de textos qui sont assez allusifs et qui font référence à deux dates, celle du 14 juillet, bien sûr, et puis la date du 15 août, qui pourrait être un deuxième attentat, mais il va falloir encore une fois crédibiliser cette hypothèse. Alors, vous dites qu'il était en dessous des radars parce qu'il n'avait pas de contact direct avec la Syrie, avec Daesh. C'est donc l'opposé absolu de Abaoud, l'homme qu'on a présenté comme le cerveau présumé du 13 novembre, l'homme qui était ici, hein, parmi le commando qui a fait 20 morts sur cette terrasse de la Belle Équipe. Lui, plus l'enquête avance, et vous le montrez dans votre livre, plus on s'aperçoit qu'il était vraiment parfaitement identifié, ciblé, on savait à quel point il était dangereux. Oui. C'est l'inverse de Nice. Nice, on a une menace imprécise, impalpable, qui sort de nulle part et qui nous frappe. Abaoud, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on l'a très bien identifié. Les services français, notamment, l'ont bien identifié à partir de 2014 et surtout de janvier 2015. Et on sait qu'il représente une menace pour notre territoire. La preuve, les dernières notes déclassifiées de la DGSE, donc le service de renseignement extérieur français, montrent qu'au mois de septembre 2015, quelques mois avant les attentats, la DGSE envisage sa neutralisation parce que la DGSE considère que c'est une menace potentielle pour notre territoire. Neutralisation, à l'époque, on pense qu'il est en Syrie, ça veut dire on va essayer de le bombarder à Raqqa ou ailleurs en Syrie. Oui, il faut replacer les choses dans le contexte. Abaoud, qui est une figure montante de Daesh, avec toute la propagande qui va autour, va faire finalement infléchir la politique militaire française dans la zone, hein, au Levant, alors même que les Rafales et les Mirages ne ciblaient jusqu'à présent que l'Irak, de manière à stopper la progression djihadiste, mais ne frappez pas en Syrie pour ne pas renforcer Bachar el-Assad, eh bien, Abaoud, cet homme à la tête d'à peu près 170 combattants, selon les notes de la DGSE, va faire infléchir cette doctrine française. Et c'est à cause d'Abaoud, à cause de la menace qu'il représente, que la France va bombarder les camps et le sanctuaire syrien de Daesh. Alors, on essaye de le tuer en Syrie, sauf qu'à ce moment-là, il est déjà en Europe. C'est ça, il y a un temps de retard. En réalité, la DGSE, en janvier 2015, à Athènes, l'a manqué de peu. Et là, la DGSE avait un temps d'avance. Et Quand vous dites de peu, c'est vraiment très peu. Hein. C'est une des révélations de votre livre. On était à quelques centaines de mètres de lui, prêt à l'arrêter. Il était à l'Acropole, quelque chose comme ça. Probablement, oui. Tout ça repose sur des éléments de téléphonie. On ne le voit pas. Mais en janvier 2015, il y a une grande internationale du renseignement qui se met en place, hein, qui inclut la CIA américaine, le Mossad israélien et les Français. Et finalement, on rate Abaoud de très peu, sans doute au cœur d'Athènes, vers la place Omonia. Et là, on est à un kilomètre à vol d'oiseau de l'Acropole. Ouais. Donc cet homme qui a dirigé ces terribles attentats de novembre 2015, celui qui s'est passé ici même à la Belle Équipe, avait vraiment bien été identifié par les services français. On aurait peut-être pu l'arrêter, ça aurait changé l'histoire. Ça n'a pas été le cas. Ce que vous dites dans votre livre, c'est que globalement, nos services de renseignement manquent de moyens pour surveiller aujourd'hui en France tous ceux, notamment, qui rentrent de Syrie. Oui, c'est très net. On n'a pas le sentiment d'une faillite du renseignement. Enfin, si les mots ont un sens, on n'est pas dans une faillite généralisée. Il y a des arrestations régulières, il y a des surveillances, mais ces surveillances sont difficiles pour des raisons d'abord numériques. On a découvert que la DGSI, le service intérieur, pouvait surveiller en temps réel 24-24 et physiquement une quarantaine d'objectifs. Il faut savoir qu'il y a environ 10 500 islamistes radicaux qui sont considérés comme pouvant basculer du jour au lendemain dans une action violente. Donc vous voyez cette disproportion, 40 d'un côté, 10 500 de l'autre. Il y a bien sûr la technique qui vient suppléer les policiers et on considère que dans le domaine du terrorisme, techniquement, technologiquement, on a en France environ un peu plus de 10 000 cibles qui sont surveillées. Et alors c'est peut-être presque anecdotique, mais tout de même frappant, vous révélez aussi que des radicaux, il y en a au sein même de la police. C'est pas anecdotique, c'est marginal. C'est marginal, mais c'est révélateur d'une évolution, d'ailleurs, qui est assez représentative de ce qui se passe dans la société française. Hein. Il y a une marge infime de radicalisés, mais ils existent et la proportion a tendance à augmenter. Et c'est vrai qu'on n'a plus de sanctuaire républicain, l'armée est concernée, la police, vous l'avez rappelé, est concernée, et également la pénitentiaire. Il y a une source gouvernementale qui nous disait qu'on avait une centaine de profils radicalisés au ministère de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la situation d'aujourd'hui? On sait que depuis les offensives occidentales, notamment à Mossoul, on s'attend au retour d'un certain nombre des 700 Français qui seraient dans cette région. Ils commencent déjà à arriver? Ils commencent à arriver. Ils ont des difficultés à rentrer, ça on le sait. En revanche, la grande question pour demain, et ça prendra sans doute une génération, pour régler cette question, c'est que va-t-on faire des combattants qui vont rentrer? Vous
environ 700 français ou francophones, beaucoup plus, et puis accompagnés de 400 enfants qui soit sont partis avec leurs parents, soit sont nés sur place. Et c'est un sujet d'inquiétude. Où sont passés nos espions? Je rappelle le titre de votre livre. Merci de nous avoir rejoints ici, donc à la belle équipe. La belle équipe dont le patron Grégory Bebenberg vient de sortir un livre sur son expérience dramatique. Une belle équipe, comment il s'est retrouvé au cœur du séisme. C'était le 13 novembre sur cette terrasse ici. C'était la dernière terrasse attaquée par ce commando dirigé par Abaoud, là où il y a eu le plus de morts, une vingtaine. Une belle équipe, donc. On va maintenant parler de la riposte de la France aux attentats, les bombardements en Irak et en Syrie. Nous avons enquêté en France auprès de ceux qui décident des cibles là-bas, et puis en Irak, là où les bombes françaises tombent. Des deux côtés de la bombe, c'est un reportage de Mathieu Fourou, Rola Tarsissi, Brice Bobby et David Dameda. Une bombe de 250 kilos s'apprête à décoller pour un aller simple, direction la Syrie ou l'Irak. À quoi ça sur le 21 après ? 21, on aura des GBU, un MiG-AE. Le Charles de Gaulle navigue au large de Chypre depuis fin septembre. Ces dernières semaines, le rythme s'accélère pour les rafales. Jour et nuit, les avions armés sont catapultés à 250 km/h. Ils reviendront 6 heures plus tard, en ayant parfois largué toutes leurs munitions. Rafale 36 sur le pont. Moins 3. 3 bombes en moins sous cet avion. J'écoute. Tu auras ainsi le Dauphin 313 et le Rafale 28 à monter. Et tu recevras le 44. Sur le pont d'envol, les chiens jaunes sont responsables des dizaines d'appontages quotidiens. Entre deux décollages en ce moment, ils ont à peine le temps de faire ce qu'ils appellent la cueillette. Le moindre objet peut devenir vite dangereux avec le souffle des réacteurs. Donc tous les matins, on effectue la cueillette avant le départ des chasseurs. 10 minutes pour ramasser tout ce qui traîne et les chiens jaunes retournent à leur poste. 24 rafales tournent en permanence sur le navire. C'est des journées sans fin. Mais quand on aime, on ne compte pas. Ça continue la nuit jusqu'à tard. Ouais. Et ça commence plutôt le matin. Ouais. C'est assez actif. Ouais. Jamais les avions du Charles de Gaulle n'ont été si lourdement armés. Déjà, plus de 12 tonnes de bombes ont été larguées sur les positions du groupe État islamique. La France met toute sa puissance de feu dans cette guerre. Comme en témoignent ces images, jamais diffusées. Sur ce bastion de Daesh, 6 bombes en 5 secondes. Tous les jours, il y a des avions qui frappent aujourd'hui. En Irak et en Syrie. La frappe va être sur les infrastructures, ça va être sur les centres d'entraînement, sur des stockages de munitions, sur les combattants de Daesh. La France est en guerre. Nous devons frapper et détruire ceux qui nous ont agressés ici. L'opération Chamal. 2 ans que la France frappe Daesh depuis le ciel. Avec 12 autres pays, membres de la coalition menée par les États-Unis. Dans les secrets des services de renseignement de l'armée. Avec les habitants des villes irakiennes bombardées. Voici le visage méconnu de la guerre des Français. Une frappe française, ça commence souvent à des milliers de kilomètres de la Syrie. Dans un lieu tenu secret, à 1 heure de Paris. Une ancienne base aérienne. À la tête de la direction du renseignement militaire, Christophe Gomard, général 4 étoiles, nous emmène dans son centre d'analyse. Jamais montré à la télévision. C'est vous. C'est ici qu'atterrissent les écoutes et les images des satellites espions français. Ici, c'est les yeux de la France. Ce
sont les yeux de la France, oui. Vous regardez quoi en ce moment ? Beaucoup de choses. Le monde entier. En croisant des images aériennes et des renseignements collectés sur le terrain, 500 spécialistes traquent les repères des djihadistes. En ce moment, les yeux de la DRM sont braqués sur Raqqa. La ville syrienne où Daesh aurait préparé les attentats du Bataclan. Par exemple, là, nous avons une semaine de données d'observation satellite. Donc, par exemple, des positions défensives que nous allons voir ici, en rouge. Des tranchées et des lignes fortifiées, visibles du ciel. Mais le programme permet aussi de représenter toutes les communications de Daesh qui sont interceptées, en rouge. Plus c'est rouge, plus la zone intéresse les renseignements français. L'idée, c'est d'aller identifier une zone qui nous intéresse en termes de recherche de renseignements. De façon à ne pas se balader partout dans tout Raqqa et d'étudier tout Raqqa. On va chercher les points où Daesh est, où, à partir d'où il commande, à partir d'où il vit, à partir d'où il est organisé, de façon effectivement à ce que ces endroits-là deviennent des zones de recherche très particulières et qui, postérieurement, peuvent devenir des cibles. Voilà. Et peuvent être donc frappées. La DRM a ainsi modélisé tout le fief syrien de Daesh en 3D. Les militaires peuvent même se promener dans les rues de Raqqa, comme s'ils y étaient. Et surtout, identifier les bâtiments stratégiques du groupe État islamique, comme le stade de la ville. Cela fait des mois que la France espionne ce lieu, avec ses satellites et ses rafales. Les analystes cherchent à comprendre comment Daesh utilise ce bâtiment. Donc en fonction de ce qu'on voit à l'image, des différents éléments qui sont observables, on va regarder au niveau de la protection, des points d'accès, le regroupement de véhicules que nous avons ici, les entrées, la surveillance, des véhicules qui sont postés au sein même du stade, au sein de la piste, et des infrastructures qui sont aussi construites. Comme ici, nous avons une cage. Ici, ils ont creusé justement au sein des tribunes du stade. Vous avez des amas de terre, en fait. Et en recoupant toutes les informations que nous avons fournies, en fait, on a pu confirmer que sa vocation initiale a été détournée au profit de Daesh. On s'est rendu compte qu'ils avaient investi les lieux et qu'ils l'avaient en fait détourné pour que ça devienne une prison. Un stade prison, comme ça, pour vous, c'est quelque chose qui peut se frapper ou pas ? On va pas tuer les prisonniers. Non, donc on ne frappera pas. Certains, même s'il y a plein de gens de Daesh. Même s'il y a plein de gens de Daesh, oui. Ça n'est pas du tout dans le concept occidentaux. Officiellement, la France et ses alliés s'interdisent de frapper tous les bâtiments civils, comme les écoles, les lieux de culte et bien sûr, les hôpitaux. Mais à Raqqa, la DRM a identifié un autre bâtiment très prometteur, ce centre de commandement de Daesh. Et cette fois, le renseignement est parti des réseaux sociaux. Suite à différentes recherches Internet, nous avons pu trouver ces images qui sont principalement issus de propagande Daesh. Il a été assez facile pour nous de faire des points de comparaison par rapport à notre image aérienne ou même nos images satellites. Donc pour le cas de cette image-là issue d'Internet, on voit le poteau qui est surmonté d'un projecteur qu'on retrouve ici. On retrouve une ombre qui est caractéristique d'un drapeau qui serait donc le drapeau de Daesh. Ici, vous avez ici par exemple aussi un lampadaire, donc ça nous permet de recaler et de confirmer ou d'infirmer une affiliation à Daesh. Là, en l'occurrence, ça nous permet de confirmer l'affiliation de ce bâtiment à Daesh. Une cible idéale pour les avions français. Grâce à la précision de ces observations, même à des milliers de kilomètres de cette ville syrienne, le général prétend pouvoir éviter tout dommage collatéral. De toute façon, avant toute frappe, si frappe il y a de toute façon des yeux en permanence au-dessus de l'objectif pour s'assurer qu'il n'y a que des gens en armes qui sont présents là, et donc ni femmes, ni enfants, en règle générale. C'est déjà arrivé qu'il y ait un bâtiment à côté qui était touché d'une manière ou d'une autre par une frappe ? Bien sûr, ça peut arriver. Là, c'est pas une science exacte. Dès qu'on utilise des explosifs, c'est jamais une science exacte. Mais en règle générale, non, c'est pas touché. Le bâtiment peut être touché à la marge, mais en tous les cas, ce qui doit être détruit l'est, ce qui ne doit pas être détruit ne l'est pas. Oui, vous l'avez dit, c'est pas une science exacte. Une vitre qui casse, quelque chose, ça peut faire mal à un voisin. Ça, on est conscient. Nous sommes en guerre, monsieur. Une fois les cibles déterminées, la guerre se déroule loin des écrans d'ordinateur. Sur cette base en Lorraine, des dizaines de pilotes qui ont bombardé les positions de Daesh.
Ils ont une trentaine d'années. Sur chacun de leurs mirages, leur palmarès. Vous avez ici, là, c'est les armements qui ont été tirés par cet avion pendant sa campagne sur Chamal. Donc on voit qu'il a tiré un missile Scalp et qu'il a tiré 5 bombes guidées laser. Un missile Scalp à 850 000 euros pièce. L'une des armes les plus destructrices de l'armée française. Une tonne 3 d'explosifs et d'acier, capable de réduire en cendres un bunker enterré. Mais les pilotes préfèrent insister sur une autre qualité. C'est un des armements les plus précis qu'on possède. Donc celui-là, on peut le faire entrer par la fenêtre qu'on veut et le faire péter à l'étage qu'on veut. À ce point-là ? À ce point-là. Avant de tirer, les pilotes observent leur cible qu'on leur a attribuée grâce à un équipement high-tech. Cette caméra, placée sous l'avion, capable de filmer le sol, même à 6000 mètres dans les airs, et qui leur transmet une image la plus précise possible, en direct, dans le cockpit. On peut voir des détails sur le bâtiment de l'ordre du mètre, et puis on peut très bien distinguer des personnels à pied ou en véhicule léger, type mobylette, vélo ou motocyclette. Des instruments de précision et des pilotes français qui mettent en avant leur extrême prudence. On se refuse à faire quelconque dommage civil. Ça veut dire qu'avant toute frappe, on se réserve de toute façon le droit de ne pas tirer. Voilà. Donc on fait vraiment attention à ce qui se passe au moment où on arrive sur zone et on ne tire que si on est sûr à 100% qu'on ne frappera que l'ennemi. Juste après les attentats du 13 novembre, ces deux commandants ont été parmi les premiers à frapper depuis cette base en Jordanie. C'est nous au décollage quand on a décollé pour le raid post-attentat. Le 15 novembre 2015, 10 chasseurs français décollent dans la nuit pour Raqqa, en Syrie. Au cœur du fief djihadiste, ils larguent des dizaines de bombes qui pulvérisent un centre d'entraînement, un dépôt d'armes et un poste de commandement. Le rythme s'est bien accéléré. Notamment pendant une petite semaine là, suite aux attentats, pour riposter fermement à ce qui s'était passé en France. Depuis les attentats, la France n'a jamais cessé de frapper, comme ici en mars 2016, sur la ville irakienne de Kayara. Ça c'est typiquement une frappe telle qu'on peut les faire tous les jours là-bas. Là on voit clairement l'objectif, c'est un bâtiment en forme de L, touché par la bombe à ce moment-là. Il faut combien de passages pour détruire un bâtiment djihadiste ? Un seul passage suffit. Un passage, une bombe. Et un bâtiment détruit. Nous sommes allés vérifier, à 3600 km de la France, la précision des frappes aériennes, dont la coalition semble si fière. Kayara, sur les rives du Tigre. Après 5 mois de bombardement, cette ville au sud de Mossoul a été libérée le 27 août dernier. Au sol, de l'autre côté des bombes, les Irakiens et les Syriens ont une idée très concrète de ce que représente une frappe aérienne. 191 frappes reconnues par la coalition, sans compter les tirs de l'armée irakienne. Avant de fuir, les combattants de Daesh ont incendié des puits de pétrole pour empêcher les avions de chasse de repérer leur position. 48 heures avant notre tournage, les tout derniers djihadistes ont fait sauter une gigantesque usine de traitement de soufre. Depuis, la ville est recouverte d'un épais nuage de fumée toxique. Salah El-Joubouri, le maire qui était en place avant l'occupation, vient tout juste de reprendre ses fonctions. Ce jour-là, une équipe télé est venue de Bagdad pour l'interroger. La veille, deux personnes sont mortes, empoisonnées par les émanations de soufre. L'eau de la ville est contaminée et le bétail a été intoxiqué. Malgré tout, la vie semble reprendre son cours à Kayara.
Avant, tout était interdit. On ne pouvait ni fumer des cigarettes, ni le narguilé, ni rien d'autre. Chaque déplacement était contrôlé. Regardez là comme les gens sont libres de se promener et d'acheter ce qu'ils veulent. Maintenant, tout le monde peut fumer, s'habiller comme il veut et même boire. Pendant les deux années d'occupation de l'État islamique, les frappes aériennes n'ont jamais vraiment cessé. Des tirs à la fois libérateurs et dévastateurs. Là, c'était la grande université. Daesh en avait fait des entrepôts. Des entrepôts pour stocker les armes. Oui, oui, des armes. Et donc, elle a été bombardée par les avions de la coalition. Là-bas, c'était le stade. Daesh s'en servait pour entreposer des voitures piégées. Ça aussi, ça a été bombardé par la coalition. Tout ce qui a été détruit ici, c'était des installations liées à Daesh. Mais lorsque l'on parcourt les rues de Kayara, difficile de croire que tous les bâtiments qui ont été détruits abritaient des combattants de Daesh. Depuis 3 mois, pas un jour ne passe sans que Fadel ne repense à ce qu'il appelle le samedi noir. C'était le 13 août 2016, à l'heure de la prière du soir. Il y a eu ce bombardement ici. Il y avait un bureau de Daesh. À gauche, une maison occupée par le groupe État islamique. Et juste à côté, ce qui reste de celle de son frère. La maison de mon frère a complètement explosé. Il y a 3 enfants qui sont morts. 3. Avec mon frère, ça fait 4. Il y avait aussi un ami qui était venu de Mossoul, qui est mort lui aussi, et un passant dans la rue, qui est mort. Mon frère ne voulait pas partir de chez lui. Il me disait, tu veux que j'aille où? Je lui proposais de dormir chez moi, mais il finissait toujours par revenir. C'est la première fois que je reviens. J'y arrive pas. Sans vous, je ne serais pas revenu. C'est la première fois depuis le 13 août. J'ai du mal à voir ça. Je ne le supporte pas. C'est trop dur ? Oui, c'est trop dur. La coalition a officiellement reconnu avoir visé Kayara ce jour-là. Même s'il a perdu des proches, il dit comprendre l'objectif de cette frappe aérienne. En ville, ce n'est pas le cas de tout le monde. L'un des bombardements les plus meurtriers de Kayara a eu lieu juste ici, en face de la maison d'Ahmed. Là, il y avait une mosquée. C'était le 1er décembre 2015. Ces images ont été diffusées par la chaîne de propagande de Daesh, quelques heures à peine après la frappe. Un homme, un djihadiste selon les témoins que nous avons rencontrés, prend la parole. Que tout le monde regarde la maison de Dieu, cette mosquée. Ici, il n'y avait que des croyants, aucun combattant. C'est la preuve qu'ils visent les musulmans. Selon les riverains, la frappe aurait fait 9 morts, tous des civils. Parmi eux, 7 enfants. Les images des dizaines de blessés sont aussitôt utilisées par Daesh. L'ancien lieu de culte a été déblayé. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un terrain vague. Là, c'était l'entrée de la mosquée. Et c'est là-bas que l'imam se mettait pour prier. Ici, il y avait les lavabos dans lesquels on se lavait les mains pour se purifier avant de prier. Les habitants de ce quartier résidentiel cherchent encore à comprendre le but de cette frappe. Ici, c'était le seul quartier où il n'y avait personne de Daesh. Et parmi tous ceux qui sont morts, il n'y avait pas de combattants de Daesh. C'était surtout des enfants. Il y avait 2 personnes âgées, un homme et une femme, et les autres, c'était des enfants. La maison d'Ahmed a été en partie détruite par le bombardement. Depuis, le jeune homme a reconstruit comme il a pu, avec l'aide de quelques voisins. Au-dessus de nos têtes, là, il y avait un toit. Il a été arraché par la frappe. En fait, les blocs de pierre de la mosquée ont été projetés jusqu'ici, dans le jardin. Les enfants d'Ahmed ont été épargnés.
Sa mère, elle, a bien failli perdre la vie. On l'a sortie des décombres, mais quand on est arrivé, on ne voyait que des débris. On a vu une tache de sang et elle était en dessous. Mon talon était cassé. Mon pied était ouvert, on m'a recousu. De là à là, c'était ouvert aussi. Et pareil de l'autre côté. Je n'ai même plus de cheveux. La bombe est tombée dans la matinée, alors qu'elle était au fond du jardin. C'était là. J'étais en train de jardiner, en train de planter des graines juste ici. J'ai entendu un bruit d'avion qui venait d'ici. J'ai levé la tête. Et puis j'ai recommencé à jardiner. Et après, je me suis réveillée à l'hôpital. J'ai rien vu. Juste mon jardin, c'est tout. Vous n'avez pas eu peur du bruit de l'avion? Mais il n'y avait pas de quoi avoir peur. Il n'y avait rien ici, juste une mosquée. Bonjour. Ça, c'est mon père. Il est retraité de l'armée. Abou Ahmed était militaire du temps de Saddam Hussein. Il a appris la mécanique à chacun de ses 5 fils. Dans la famille, comme dans le quartier, une rumeur persiste. La bombe qui a détruit la mosquée voisine serait française. La preuve, selon eux, le calendrier. C'était juste après l'attaque qui a eu lieu en France. Oui, et ce sont des avions de la coalition qui nous ont frappés. Et d'ailleurs, le président français avait prévenu. Il avait dit, nous allons frapper fort. François Hollande ? Oui, oui, précisément. Nous avons contacté le ministère de la Défense qui affirme qu'aucune frappe française n'a eu lieu ce jour-là à Kayara. Avant la guerre, il faisait partie des familles les plus riches de la ville. Ahmed se souvient avec nostalgie de son adolescence, des nombreux voyages et des pique-niques au bord du Tigre. Sur cette photo, on était 4. C'était juste avant la naissance de mon dernier frère. Là, on est au parc d'attractions de Mossoul. Mon frère Abdallah et moi, on était à l'école. Et dès qu'on passait dans la classe supérieure, nos parents nous emmenaient en voyage. Et ils nous offraient des cadeaux, des jouets. Ce sont de bons souvenirs ? Irremplaçables. Aujourd'hui, la famille vit dans un confort très sommaire. L'ancienne cuisine a été entièrement détruite. Asma utilise désormais cet ancien débarras. Une cuisine, ça se remplace. Mais le principal, c'est qu'on est débarrassé de Daesh. Ils nous ont détruits. On ne pouvait pas sortir librement. Si j'ouvrais la porte, que les hommes de Daesh voyaient ma tête, je devais payer une amende de 50 000 dinars irakiens si mon visage n'était pas complètement couvert. 50 000 dinars, soit près de 40 euros. Une somme énorme pour les Irakiens. Depuis la récente libération, beaucoup de choses ont changé. Maintenant, on a du bon pain, de la viande, des légumes. Nous, tout ce qu'on veut, c'est vivre en sécurité, dans un pays où la religion, c'est quelque chose de personnel. Moi, là, par exemple, si vous n'aviez pas été là, je serais en train de prier à la mosquée. Mais je ne veux pas qu'on m'y oblige. La coalition et tous ceux qui ont participé au combat, nous leur sommes très reconnaissants. Ils nous ont aidés à nous débarrasser de Daesh. Même si chez nous, on a eu des blessés et que beaucoup de civils sont morts. Quand ils sont venus nous libérer, c'était évident qu'ils allaient faire des victimes. À la guerre, il y a des morts. À Kayara, comme ailleurs en Irak, la France assure n'avoir jamais fait de victimes civiles. Dans le bureau du ministre de la Défense, pas de place pour le doute. Jusqu'à présent, en Irak, je n'ai pas eu, en ce qui concerne les forces françaises, de conséquences sur ce sujet. J'en ai pas. Est-ce que vous êtes certain que la France, sur les quoi, 2000 frappes depuis le début, peut-être ? Oui, je vous redis, si je n'ai pas été suffisamment compris, je n'en ai pas d'éléments qui me permettent de dire qu'il y a eu des dégâts collatéraux. À ce jour, seuls les États-Unis ont admis avoir frappé par erreur des civils. 119 morts en tout, en Irak et en Syrie. Mais ce bilan est contesté par les ONG.
Depuis plus de deux ans, les enquêteurs d'Air Wars comparent les chiffres avancés par la coalition avec des témoignages recueillis sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Selon cette experte néerlandaise, le bilan réel des frappes serait bien plus élevé qu'annoncé. Non pas 119, mais 1721 civils tués par la coalition. La différence est énorme et cela nous inquiète parce que ça veut dire que probablement beaucoup de cas de pertes civiles n'ont pas été déclarés. Il n'y a pas assez de transparence, surtout sur ce thème de pertes civiles. La France a frappé presque 900 fois et avec ce nombre de frappes, ce nombre de bombes tirées, c'est presque impossible qu'il n'y ait jamais eu de pertes civiles. Dans sa communication sur les frappes aériennes, la Grande Muette cultive en effet une certaine opacité. Il est difficile d'extraire, d'isoler le bilan d'une seule frappe. Lors du point presse hebdomadaire de l'armée, les journalistes spécialisés dans la défense, comme Jean-Marc Tanguy, en font souvent les frais. Aux questions précises, difficile d'obtenir des réponses précises. Quel est le nombre de bombes qui ont été larguées par l'opération Chamal depuis son début, il y a plus de deux ans ? Je crois avoir déjà donné la réponse et pour l'instant je ne changerai pas. L'état-major publie parfois quelques chiffres sur les munitions utilisées, mais refuse de les actualiser chaque semaine. Je vous encourage à aller sur le site internet du ministère de la Défense britannique. Or que ce soit vrai ou pas, mais vous avez une liste très précise des cibles qui ont été frappées, des munitions qui ont été utilisées. Pour un peu, vous auriez le portable du pilote et la photo de sa petite amie. J'exagère à peine. En France, on va vous dire, depuis le début des frappes, nous avons effectué tant de sorties. Nous avons frappé cette semaine tant de fois. Mais vous n'avez pas le détail du nombre de munitions qui sont consommées. Et quand vous posez la question, vous n'avez pas de réponse. On vous dit, on ne peut pas vous répondre. Il existe d'autres frappes sur lesquelles la France donne encore moins de détails. Elles représentent pourtant près de 9 sorties sur 10. Ce sont les raids aériens qui viennent soutenir les troupes irakiennes au sol. Sur les hauteurs de Mossoul, près de Machika, un fortin tenu par les Peshmerga depuis deux ans. À chaque fois qu'on voit une frappe comme celle-là, on pousse des cris de joie. D'ailleurs, les avions français sont toujours très précis. Avant la guerre, Aziz était ouvrier. Avec 15 autres soldats, il se relaie nuit et jour pour défendre ce poste avancé contre les offensives de l'État islamique, installé dans cette ville, en contrebas. La nuit tombe, Mossoul s'illumine. Les djihadistes sont tout proches. À portée de talkie-walkie. Les Peshmerga ont appris à écouter ces conversations. Numéro 16, est-ce que tu m'entends ? Il est loin de toi ? Est-ce qu'il est à ta portée ? Non, il est trop loin. Mais si Dieu le veut, je vais l'atteindre. Grâce à ses écoutes clandestines, Mohamed, le commandant de l'unité, a réussi à jouer un mauvais tour à Daesh il y a quelques mois. Il en rigole encore. Cette nuit-là, il avait entendu les djihadistes préparer à la radio une attaque contre son fortin. On les entendait dire « On part au paradis, mes frères. On va égorger ces mécréants. » Peu après, les djihadistes se sont approchés par la route avec leurs voitures piégées, tous phares éteints. Quand j'ai vu ça, j'ai prévenu tout de suite le centre de la coalition. Un avion est arrivé, très vite, par là. Et il a frappé leur blindé avec un missile. Ils ont détruit les voitures. Tous les membres du commando ont été tués. Il ne restait plus rien de Daesh. Pour libérer Mossoul, les Kurdes et les Irakiens peuvent compter sur les avions de la coalition, mais pas seulement. Les soldats qui rejoignent le front ont eu droit à de petits cadeaux. Dans cette caserne, à 5 km du front, nous leur avons demandé de nous montrer leur canon de 20 mm. Ils sont pas tout neufs, hein, mais ça fait l'affaire. Une arme made in France, au top de la modernité, dans les années 80, mais largement suffisante contre les blindés légers de Daesh. Ça, ce sont des balles transperçantes.
c'est le top. Ça te soulève un 4x4, tellement c'est puissant. Avant, on n'avait pas d'armes contre les véhicules blindés. C'était l'enfer. Maintenant, au combat, quand on se fait charger par une voiture piégée, on peut enfin se défendre. Des canons, les milliers de munitions qui vont avec, mais aussi des mitrailleuses et des lunettes de visée nocturne. Pour aider les Peshmerga dans leur combat, la France les a aussi entraînés à utiliser des lance-missiles. L'armée a envoyé des formateurs directement sur le terrain. La formation française était super, ça a duré un mois. On a leur numéro et quand on a une panne, on téléphone aux Français, ils viennent très vite ici et ils réparent le matériel. On est bien content que la France nous aide. Nous, les Kurdes, on peut quand même pas gagner la guerre tout seul. En Irak, les soldats français ne se contentent pas de faire du service après-vente. Des unités combattantes seraient engagées ici, sur le terrain. Un tabou pour le ministère de la Défense. Mais un général Peshmerga va nous le confirmer. Retour sur la ligne de front, à 15 km de Mossoul, avec les hommes de Muzaffar Mohammad. En face de nous, un petit village toujours aux mains des djihadistes. Au loin, le bruit des bombardements. Une frappe, presque tous les quarts d'heure. Regardez, là il y a un avion qui vient de frapper. Un avion ? Un tir aérien. Un avion d'où ? Un avion de la coalition. Il peut être français, anglais, américain. Oui, l'ennemi est juste là, où ça vient de frapper, juste derrière la colline. 15 jours auparavant, à une vingtaine de kilomètres de là, deux membres des forces spéciales françaises auraient été victimes d'un piège de Daesh. Daesh a trafiqué un drone du côté d'Aski Mossoul. Il est tombé au sol, du coup, les Peshmerga sont allés voir. Ils se sont dit, soit c'est à Daesh, soit c'est aux Français. Les forces spéciales françaises sont venues le voir avec les Peshmerga, et le drone a explosé. Deux de nos officiers sont morts, et les deux Français ont été grièvement blessés. En fait, ils avaient placé une grenade juste en dessous du drone. Embarrassé, le ministère de la Défense a refusé sur le moment de s'exprimer sur l'incident. Mais la presse sort l'information. Le gouvernement finit par réagir. Il a fallu attendre presque une dizaine de jours avant que le porte-parole du gouvernement reconnaisse que ces deux commandos des forces spéciales étaient blessés. On peut quand même s'étonner. Il y a plusieurs types de postures. Il y a la posture qui vous dit les forces spéciales, ça n'existe pas. Après, on sait parfaitement, les forces spéciales existent, qu'elles ont été déployées là-bas. Donc vous avez des gens qui sont un peu plus sensés, qui vous disent oui, ils sont là-bas, mais nous, on n'en parle pas. Et puis après, de temps en temps, vous voyez qu'il y a des collègues qui ont la chance de pouvoir faire des sujets sur eux. Et donc là, on comprend que réellement, ils sont là. C'est pas juste des mannequins qui sont posés sur une ligne de front. Des soldats en chair et en os qui se laissent rarement filmer. L'été dernier, un journaliste a pu approcher des combattants français et britanniques lourdement armés sur le front syrien. On voit les forces spéciales guider des frappes aériennes avant qu'une voiture piégée ne fonce sur leur position. Les Kurdes ouvrent le feu, mais c'est finalement un missile qui détruit le véhicule. C'est moi qui l'ai touché. Ça fait plaisir, hein ? Bravo, mon pote. Mais le missile a en fait été tiré à quelques mètres de là, par les hommes des forces spéciales. Les Français, pendant deux ans, n'ont pas donné que des cours sur le fonctionnement d'un canon de 20 mm, et ils font le travail que font des forces spéciales, c'est-à-dire combattre, neutraliser... Quand ils voient un djihadiste qui passe à portée de tir, bah, ils tirent. Enfin, ils sont là pour ça. Hein. On va pas se mentir. L'armée ne frappe pas toujours les combattants de Daesh au hasard. Récemment, un livre a fait sensation. François Hollande y fait une confidence. Il dit avoir ordonné des frappes ciblées contre des djihadistes français. On a une liste de noms de tous les gens qu'on a éliminés.
Parmi les cibles de la France, un certain Salim Ben Ghalem. Le Français est un proche des terroristes de l'attentat de Charlie Hebdo. Il serait un recruteur important de Daesh. D'après nos informations, le président de la République aurait fait ses révélations quelques heures après une opération planifiée visant à l'éliminer. Salim Ben Ghalem a été clairement désigné comme une cible d'une frappe qui a eu lieu le 8 octobre. Et si vous voulez, ça a été un tournant. Parce que c'est, à ma connaissance, une des premières fois où tout d'un coup, on a vu l'État français presque sur le point de reconnaître officiellement qu'ils avaient ciblé, donc voulu tuer, un citoyen français qui, par ailleurs, était visé par un certain nombre de procédures judiciaires. C'était, au final, la réhabilitation d'une espèce de droit de vie ou de mort sur tout individu sans aucune forme de procès. Est-ce que vous assumez ça? Est-ce que parfois, on sait qu'on va faire une frappe, mais qu'on va viser une personne particulièrement? Je n'ai jamais commenté ce genre de choses et je ne vais pas commencer avec vous. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais commencé ce genre de choses et je ne vais pas commencer avec vous. Alors, pourquoi pas commencer avec moi? Pourquoi ne pas les commenter? Parce que je n'ai jamais commenté ce genre d'action et je ne vais pas commencer avec vous. Si la question que vous posez est-ce qu'il faut... lorsque nous faisons une intervention de frappe, éviter de frapper les chefs terroristes, la réponse est non. Le patron du renseignement militaire prend moins de précautions. La France aurait à mentir. Aucun. Il confirme que les frappes françaises ont parfois des objectifs bien précis. Ce ne sont pas des listes au sens où on dit bon, allez, on élimine machin, on élimine machin, on élimine machin. Ce n'est pas ça. On préférera effectivement tuer un des chefs plutôt qu'un simple combattant. Parce que ça a des implications directes sur leur mode de fonctionnement. Si c'est un Français, si c'est un combattant de Daesh d'origine française, c'est un combattant de Daesh. Il était d'origine française, mais on ira le cibler parce que c'est un combattant de Daesh. Ces derniers mois, de petits secrets d'État semblent voler en éclats. Aujourd'hui, François Hollande, on voit bien, au terme de son quinquennat, fait tout pour apparaître comme un chef de guerre. On voit bien que là, fin 2016, non seulement il assume dans un ouvrage le fait d'avoir commandité des assassinats, ordonné des assassinats ciblés, on voit bien que aussi la hiérarchie militaire française est beaucoup plus encline, semble beaucoup plus libérée en termes de communication pour décrire un peu ses modus operandi, c'est l'usage le recours aux frappes ciblées. Donc il y a peut-être aussi cette volonté d'enfoncer le clou et vraiment de se présenter comme quelqu'un qui... n'est pas du tout mou, n'est pas du tout rétif à la décision. Et il est tellement pas rétif à la décision qu'il fait tuer des gens. Salim Ben Ghalem aurait finalement survécu au raid qui le visait. En Irak et en Syrie, les frappes françaises se poursuivent, jusqu'à 50 par semaine. Depuis que la bataille pour libérer Mossoul a débuté, 150 000 civils ont fui les combats et les bombardements. Et voilà pour ce reportage signé Mathieu Fourou et Rola Tarsissi. On se retrouve maintenant à Ballard, dans le nouveau Pentagone français, le nouveau ministère de la Défense. Dans votre bureau, général Christophe Gomard, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous accueillir dans ce bureau qui est sans doute celui de l'homme le mieux informé de l'armée française, non ? Je cherche à l'être. Je ne sais pas si je le suis, mais je cherche à l'être. Alors, vous nous avez ouvert les portes de ces salles, donc de la DRM, la Direction du Renseignement Militaire que vous dirigez. Où arrivent toutes les images des satellites? C'est ce qu'on appelle les yeux et les oreilles de l'armée française. Vous êtes vraiment en permanence braqué sur Mossoul, braqué sur Raqqa? Je suis braqué là où les armées françaises ont besoin de renseignements, en particulier sur le reste, parce que quel est le métier de la Direction du Renseignement Militaire? C'est environ 2000, moins de 2000 personnes réparties entre les gens chargés de la recherche, les gens chargés de l'analyse et les gens chargés de la diffusion. L'idée, c'est effectivement d'être renseigné sur les théâtres d'opérations au profit des armées françaises qui mènent des opérations, mais également au profit du chef d'état-major des armées ou du ministre de la Défense, pour les éclairer, pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Là, on a pu voir donc, dans vos locaux les images qui arrivent de Raqqa. On a vu comment, par exemple, vous repérez qu'on est en train de construire une prison sous un stade, que vous décidez de ne pas bombarder parce qu'il y a des prisonniers. J'imagine que vous en avez plus que ce que vous avez bien voulu nous montrer. Vous avez aussi des images en temps réel, des images qui bougent. Vous suivez les gens de Daesh? Alors, comment ça se passe, le renseignement? Le renseignement, vous avez... plusieurs capteurs, différents types de capteurs. Ça va du satellite d'observation,
ça va aux satellites d'interception, ça va aux avions équipés de boules optroniques ou de boules des caméras qui permettent d'observer, et vous avez les drones qui volent plus longtemps. Parce qu'en fait, le vrai problème pour suivre des gens, comme vous le dites, c'est d'avoir une capacité à tenir en l'air pour pouvoir suivre des gens. Après, on suit autrement. On peut suivre grâce aux interceptions, en particulier des réseaux radio ou des réseaux UHF, c'est-à-dire très courte portée. C'est-à-dire les écoutes, là. C'est-à-dire les écoutes. Mais les gens pensent toujours qu'on écoute les téléphones. On n'écoute pas que les téléphones. Et en tous les cas, le job des militaires que nous sommes, c'est d'écouter les réseaux radio militaires. Donc, dans notre langage, on parle de HF ou de VHF, c'est-à-dire longue portée ou courte portée. Et puis également, on peut suivre par d'autres moyens sur l'Internet, en source ouverte, ou grâce à des sources humaines. Alors, une question qu'on se pose et qui est vraiment dans l'actualité en ce moment, c'est est-ce que vous identifiez des chefs de Daesh ? À Saint-Étienne-du-Rouvray, on sait maintenant qu'il y a un djihadiste français qui est sans doute en Syrie, qui est sans doute à Raqqa, qui s'appelle Rachid Kassim, qui a ordonné l'assassinat du prêtre, l'assassinat des deux policiers à Magnanville. Ce serait logique que vous soyez en train de le chercher, de chercher à le tuer, non ? C'est logique surtout qu'on cherche à réduire les capacités de Daesh. Réduire les capacités de ces barbares. Parce que Daesh, c'est quoi ? Daesh, c'est des crucifixions, ce sont des exécutions publiques, ce sont des mains coupées, des pieds coupés, ce sont des enfants accrochés sur le toit des voitures pour pas que les voitures soient bombardées. Ce sont des choses comme ça, Daesh. Daesh, ce sont vraiment des barbares. Donc Rachid Kassim, s'il fait partie des chefs de l'organigramme de Daesh, oui, il fera partie un jour des gens qui ont été tués. Mais on ne le vise pas parce qu'il est français, on le vise parce que c'est un combattant Daesh qui a pris les armes contre la France sous la bannière de Daesh. Alors, il y a la grande bataille de Mossoul qui est en cours. Ça fait 3 mois maintenant. Pour la première fois dimanche sur France 2, on a pu voir des images des forces spéciales françaises qui aident, qui appuient les forces irakiennes. On en regarde un extrait. Nous sommes aux portes de Mossoul. Les forces irakiennes de contre-terrorisme investissent un quartier repris à Daesh. Cette opération, il l'amène avec les forces spéciales françaises. Ils vont s'enfoncer dans les ruines potentiellement minées à la recherche du moindre indice pour comprendre le fonctionnement, les techniques des djihadistes. Quand tu vois que c'est trop encombré, hein, je passe devant. Un tunnel qui part à gauche, ouais. Qui part à droite. Le premier à passer, c'est Julien, spécialiste en explosifs et déminage. Victor évolue derrière lui. Rien ne lui échappe. Le détonateur, c'est très intéressant parce que c'est indispensable pour pouvoir faire des pièges et utiliser de l'explosif. Les pièces sont encombrées, le danger est partout. Autre signe de la présence de Daesh, ces 2 obus de mortier et d'autres objets plus surprenants. Les épargnes. Une sacoche peut être laissée par un djihadiste français. Le tunnel descend à peu près à 4-5 mètres de profondeur, ça part sur la gauche. Ouais. Ils évoluent dans un labyrinthe de tunnels, de maisons éventrées. Les hommes du groupe État islamique pouvaient ici se déplacer dans tout le quartier sans être localisés. Le parcours est fléché et des indications précises inscrites sur les murs. Là, c'est marqué « Attention aux avions ». Ça veut dire que les avions de chasse de la coalition survolaient cet endroit. Les commandos français prennent la route vers la frontière syrienne. Nous ne pouvons pas filmer le convoi ni donner le nombre de militaires engagés. Ils vont opérer secrètement quelque part sur l'axe Raqqa-Mossoul, une route très empruntée par Daesh. Hello. Les Français sont déjà venus ici. Ils aident l'armée irakienne, mais aussi les Peshmerga kurdes. Avec les Kurdes, ils font un premier point sur la situation. Elle n'est pas bonne. Ça fait 3 jours que Daesh nous tire dessus avec des mortiers. Du coup, on arrive au bon moment alors pour pouvoir les aider à combattre Daesh. Les Peshmerga, les combattants kurdes, ont installé ici leur poste d'observation. En quelques heures, 9 obus ont fini leur course ici, à moins de 100 mètres de leur casemate. On se met en place dans la maison. Alors que Kylian s'installe, quelques tirs retentissent. On va voir d'où ça vient les tirs là pour commencer à travailler. Voilà, donc ils harcèlent le soir, hein. C'est habituel. Là, c'est les horaires de travail de Daesh. Sur le toit, les forces spéciales installent leurs armes pour riposter en cas d'attaque. Ils déploient aussi tout leur système de surveillance. On essaye de voir la menace avant qu'elle nous voie, de préférence. Pour les soldats de l'ombre, la nuit n'est pas un problème. Les caméras thermiques permettent une vision très précise. Sur ce type de village, normalement, il n'y a plus d'activité civile. D'après les Peshmerga, il n'y a qu'une activité ennemie. Donc, c'est-à-dire que si on repère des bâtiments
où il y a de l'activité de nuit, des tâches de chaleur, des véhicules, et ben on sait que c'est des activités combattantes. Au petit matin, les forces spéciales préparent leurs drones d'observation. C'est le meilleur moyen pour localiser les combattants de Daesh. Ils volent à plus de 1000 mètres d'altitude et est pratiquement indétectable. Ok, vol stable, antenne déployée. Voilà, image assez rare, donc tournée par les équipes de Dorothée Olyrique et diffusée dimanche dernier par France 2. On en est où à Mossoul? Je le disais, 3 mois que cette bataille a commencé. Visiblement, en ce moment même, ça progresse? Ça progresse, évidemment. Vous comprendrez que je ne puisse pas tout vous dire, parce que derrière, il y a... C'est le principe, hein. En venant vous interviewer, on savait que vous ne diriez pas tout. Mais oui, je peux vous dire que ça progresse, que la rive est du Tigre est pratiquement conquise par les forces de sécurité irakiennes, ce qu'on appelle les FSI, et également par les Peshmerga. Le combat en ville, le combat urbain, est un combat long et difficile. L'ennemi, l'adversaire, Daesh, a eu le temps de s'y préparer, à creuser des tunnels, à créer des pièges absolument partout. Ce que l'on peut voir, c'est qu'il utilise beaucoup moins aujourd'hui de véhicules suicides, preuve que soit il en a moins, soit il a moins le temps d'en construire. Mais en tous les cas, oui, la rive est pratiquement conquise, ce qui va être difficile et long. Mais ça, le ministre de la Défense l'a bien annoncé, le chef d'état-major des armées également. La conquête de la rive ouest va être également longue et sans doute coûteuse en vie humaine, malheureusement. Mais nous sommes en guerre, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, Mossoul, faut expliquer, hein, c'est une très grande ville, c'est presque la taille de Lyon, hein, c'est 1 million d'habitants. C'est 1 500 000 habitants. Et alors, parallèlement, hier, mercredi, le président de la République, au cours d'un conseil de défense, a dit « Le prochain objectif, il faudra un jour libérer Raqqa en Syrie, ce sera la prochaine grande bataille ?» Ce dont il faut se rappeler, c'est que Mossoul et Raqqa sont les deux capitales de l'État islamique au Levant. Et qu'effectivement, ce sont deux villes un peu symboliques à partir desquelles ont été menées les attaques, à partir desquelles ont été réfléchies et menées les attaques contre la France en particulier. Donc oui, c'est un objectif, Raqqa est un objectif. Après Mossoul, pour l'instant, la coalition est fixée sur Mossoul. L'objectif suivant sera Raqqa. Merci beaucoup, général Christophe Gomard, donc patron de la DRM, la Direction du Renseignement Militaire, ancien patron du COS, le commandement des forces spéciales, ancien patron du 13e RDP, c'est un des régiments les plus opérationnels, les plus secrets de l'armée française. Merci de nous avoir reçus ici dans votre bureau. Et voilà pour ce 359e numéro de complément d'enquête. Merci à ceux qui m'ont aidé à le préparer. Thomas Auraud, Clément Castex et Joël Bruandet à la rédaction en chef. Caroline Durand à la préparation des plateaux. Philippe Lallemand à leur réalisation. On se retrouve le 9 février pour une émission sur la guerre des sexes. Très bonne soirée sur France 2.